Oui. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous pouvez remarquer, nous avons commencé notre culte un peu plus tôt que d'habitude, mais aussi on devait commencer à 18h30 avec quelques problèmes techniques. Mais nous bénissons le Seigneur, nous sommes là et merci d'être aussi nombreux derrière vos écrans pour partager ce moment ensemble avec nous. Comme tous les mardis maintenant, je crois que vous avez pris l'habitude de nous retrouver pour partager la parole de Dieu dans le cadre de notre étude biblique. Et désormais, pendant toute cette période, à cause de la situation, des pandémies et de tout ça, nous commencerons nos réunions d'études bibliques à partir de 18h30. Donc, désormais, plus à 19h comme d'habitude, mais à 18h30. Merci pour votre patience et d'être là au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur et nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci, te rendre gloire pour ta fidélité et ta bonté, à toi qui as rendu encore possible ces instants et qui nous a donné la possibilité ce soir de nous retrouver autour de ta parole pour y réfléchir et nous laisser instruire et enseigner par elle. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos cœurs, nos âmes et nous prions que par ton esprit, tu puisses nous conduire et nous révéler ta pensée. Béni soit ton nom et merci pour ce moment de partage, d'encouragement et d'édification et que toute la gloire te revienne. Béni ce moment, apporte la clarté à notre esprit, nourris notre âme afin que ce temps soit vraiment utile et que ça porte quelque chose dans notre vie. Nous te le demandons, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes là dans le cadre de notre étude biblique, comme vous le savez, tous les mardis. Et comme je l'ai dit au début, désormais, nous allons commencer à 18h30. Et chaque mardi, soyez connectés, donnez, partagez si cela est possible, pour donner la possibilité à un grand nombre d'être là. Ayez avec vous votre Bible, votre bloc-notes, bien chez vous, assis confortablement. Peut-être vous êtes dans les transports pour regagner votre maison, mais prenez le temps de nous suivre, d'être avec nous. Et comme vous le savez, à la fin, vous aurez quelques minutes et quelques moments de questions où vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'étude. Vous pouvez déjà envoyer vos questions et nous essayerons, par mesure du possible, à répondre à cela. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous pendant ce moment sur un sujet important, la mission. La mission comme défi que nous sommes appelés à relever, la mission que Christ nous a laissée, la mission que Christ nous a confiée, c'est le grand challenge, c'est le grand défi que la mission est le grand défi que Dieu a donné à son Église. Que Dieu a donné à son Église comme défi, la mission, c'est lui de transformer les vies des gens, c'est lui de gagner le monde à Christ. Ça, c'est notre mission primordiale, principale, fondamentale, la raison même de notre existence sur cette terre, la raison même de notre présence sur cette terre en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accomplir la mission qui consiste de gagner le monde pour Christ. Et c'est à ça que j'aimerais nous réfléchir, étudier ensemble avec vous, se basant principalement sur les livres des Actes des Apôtres. Nous n'allons pas faire l'étude des livres des Actes des Apôtres, mais nous allons essayer de réfléchir ensemble avec vous pour voir comment les disciples de ce temps-là ont pu relever le défi de la mission. Le défi de la mission. Comment ils sont arrivés à relever ces défis? Parce que c'est un grand défi que le Seigneur les a donné, un grand défi que Dieu a lancé à l'Église, qu'il a donné à l'Église et qui était la mission. Est-ce que la mission sera-t-elle accomplie? C'est la question que
nous pouvions nous poser. C'est la question que les disciples pouvaient se poser. Est-ce que la mission que le Seigneur nous a donnée sera-t-elle accomplie? Nous, cette même question, nous devons également nous poser. Est-ce que la mission du Seigneur sera-t-elle accomplie? Quand le Fils de l'homme viendra, quand le Seigneur viendra, qu'est-ce que va-t-il dire par rapport à la mission qu'il nous a confiée? Est-ce que l'Église a accompli sa mission? Est-ce que l'Église a atteint ses buts? Est-ce que l'Église a réalisé ce pourquoi elle a été placée sur cette terre? Est-ce que les chrétiens ont accompli la mission pour laquelle Dieu l'a placée sur cette terre? Ça, c'est le défi. Nous devons, comme les disciples, dans les Actes des Apôtres, arriver à relever ces défis. Car si en étudiant la parole de Dieu, en étudiant les livres des Actes, nous pouvons dire aujourd'hui, voyant ce qui c'est là où nous sommes aujourd'hui, et le travail qui a été fait depuis lors, depuis que Christ est monté au ciel et qu'il a confié à ses disciples cette mission, est-ce que cette mission a été accomplie? Oui, les disciples ont fait leur part. Maintenant, c'est à nous de prendre le flambeau, c'est à nous de prendre le relais pour essayer de relever également ces défis de la mission de sauver les âmes, de gagner un grand nombre. C'est quelque chose de très important. Alors, je vous prie de rester attentive et de réfléchir et d'étudier avec moi la manière dont les disciples ont accompli. La mission sera-t-elle accomplie avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que l'Église, est-ce que les disciples de Christ arriveront-ils à accomplir la mission que le Seigneur les a confiée? Je veux nous inviter déjà ce soir à commencer à faire notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire quelques 11 versets de ce livre magnifique des Actes des Apôtres. Oui, on l'appelle Actes des Apôtres, mais les autres l'appellent les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre tout au long de ces livres. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer des grandes choses, d'accomplir des grands miracles. C'est le Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre charnière. C'est un livre qui est au milieu, qui nous introduit, qui nous fait quitter l'Ancien Testament et nous introduit dans le Nouveau Testament. Les livres des Actes des Apôtres, c'est un livre actif, un livre qui nous montre l'Église en mouvement, les disciples en mouvement, qui sont en train de bouger, de travailler, d'opérer. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église comme dans le monde au travers des disciples de Jésus-Christ. Et ce livre, c'est un livre passionnant, c'est un livre édifiant, c'est un livre qui nous challenge, n'est-ce pas? C'est un livre qui nous défie. Nous sommes tous défiés en lisant les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes défiés par la passion des apôtres. Nous sommes défiés par leur détermination. Nous sommes défiés par leur engagement. Nous sommes défiés par leur sensibilité spirituelle. Nous sommes défiés par l'intérêt, par leur motivation en servant le Seigneur. Nous sommes tellement défiés du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre de ces livres, nous sommes défiés. Et ce que j'aime avec les Actes des Apôtres, c'est un livre qui n'a pas de conclusion. Ce livre n'a pas de conclusion. Regardez quand vous lisez, par exemple, les lettres de Paul, les lettres des autres épîtres, les épîtres générales et tous les autres, vous allez voir qu'il y a une conclusion. On finit par conclure le livre. Mais les Actes des Apôtres n'ont pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, ça reste ouvert, comme pour dire ces choses ne sont pas encore finies. Nous pouvons continuer encore aujourd'hui les Actes des Apôtres. Nous pouvons encore continuer aujourd'hui les Actes des Apôtres si nous nous laissons utiliser par le Saint-Esprit comme les apôtres se sont laissés utiliser par le Saint-Esprit. C'est un livre magnifique. Si il n'y a pas de conclusion, c'est comme pour nous dire c'est possible également pour vous. Vous aussi, vous pouvez écrire. Les Actes des Apôtres peuvent être continués. Je ne vais pas dire par là que nous devons ajouter les choses à ce qu'est la Bible, à ces livres de la Bible, mais je veux simplement dire que l'histoire des Actes des Apôtres peut continuer. Nous sommes dans la continuité. L'Église ne sait pas, le Saint-Esprit n'a pas arrêté de travailler qu'avec les premiers apôtres, avec les réformateurs, mais nous sommes dans la continuité. Nous devons continuer cette œuvre qui avait été commencée par notre Seigneur et puis continuer
par les disciples, les apôtres qui ont pris le relais, le père de l'Église, les réformateurs, et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons continuer cela. Donc voilà, nous allons parler nous allons y voir comment les apôtres sont arrivés à relever le défi. Quel est ce défi? La mission. La mission sera-t-elle accomplie? C'est le grand défi, c'est que les disciples devaient relever à leur époque. Et cela est également pour nous. Lisons d'abord avant, peut-être de nous laisser emballer. Je suis déjà dans cette chose qui me passionne. Alors j'aimerais lire avec vous dans Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi et lisons ensemble. Dans Actes chapitre 1, verset 1 à 11, lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci: « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.